Comment rechercher des sponsors? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer cette peur d'échouer. Alors avant d'aller plus loin, tu peux cliquer sur la cloche juste en bas, comme ça tu es sûr de ne manquer aucune vidéo. Et tu peux aussi mettre un pouce bleu si tu aimes ces vidéos. Et sens-toi libre également de regarder dans la description puisque tu verras qu'il y a des cadeaux spécialement pour toi. Alors maintenant, comment rechercher des sponsors? Parfois, en tant que sportif de haut niveau, eh bien, on aimerait être aidé, on aimerait avoir des finances. Et pour beaucoup, si tu es sportif de haut niveau, à part si tu fais partie de quelques-uns, pour beaucoup, ça reste difficile d'arriver à vivre de son activité. Et malgré la croyance commune qu'on a que bah, les sportifs, ils arrivent à vivre facilement de leur sport, aujourd'hui, on sait que beaucoup de sportifs sont en dessous de sportifs de haut niveau reconnus par le ministère de la Jeunesse et des Sports, sont en dessous du seuil de pauvreté et bah, galère financièrement. Et du coup, beaucoup des fois attendent chez les sportifs. Je me rappelle moi-même à l'époque quand j'étais sportif de haut niveau, eh bien on va se dire, mais attends, je suis quand même sportif et on mériterait qu'on m'aide plus, je mériterais ceci, c'est pas normal d'être tout seul dans la galère, etc. Et en vrai, en réalité, maintenant que je suis passé de l'autre côté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui que j'ai la casquette d'entrepreneur et du coup, en tant qu'entrepreneur de se dépasser au quotidien pour apporter de la valeur, eh bien aujourd'hui, quand pour avoir la chance d'avoir quand même beaucoup de sportifs de haut niveau dans le programme High Performer Academy, eh bien quand parfois ils ont du mal à trouver des sponsors, eh bien simplement de leur dire ok, mais arrêtez d'être dans une position où tu vas attendre les choses de l'extérieur. Ok, pourquoi? Parce que un être humain a aucune raison de te donner quelque chose si en retour il ne perçoit pas une valeur. Alors sauf pour certains cas de mécénat où tu connais très bien les entrepreneurs et du coup cet entrepreneur va te donner quelque chose, ça va être un... il va se sentir bien émotionnellement parce qu'il va percevoir qu'il t'aide, ok? Mais pour la majorité des entrepreneurs, s'il ne te connaît pas, il n'a aucune raison de te donner quelque chose sans rien attendre en retour. Ça c'est hyper clair et c'est pas ta pseudo image de sportif de haut niveau qui est connue dans ton sport confidentiel qui va lui faire changer d'avis. Ça va être vraiment important de dire ok, je suis sportif de haut niveau et sportif de haut niveau, ça crée une certaine valeur en termes d'image et de performance et une entreprise, eh ben, elle a besoin d'image de performance. Mais du coup, au lieu d'y aller juste en me disant donnez-moi de l'argent, j'en ai besoin pour réaliser mes compétitions, où là, l'entrepreneur, s'il ne comprend pas, il va dire « oui, oui, bah, je vais réfléchir » et du coup, il va réfléchir toute sa vie et tu ne verras jamais les finances. Eh bien, d'aller « ok, de comprendre, intéresse-toi à l'entreprise que tu veux, regarde quelle est sa mission par exemple et regarde-toi, pose-toi la question « quelle valeur je peux apporter à cette entreprise et en retour être payé sous la forme où tu l'entends ou avoir des biens en nature en parallèle, mais peu importe, mais ça doit être vraiment une notion de ce qu'on appelle échange juste. Il doit avoir un échange juste dans ce lien, autrement ça va pas se faire et les gens, ça va juste leur pomper de l'énergie que tu viennes de leur demander des finances pour t'aider dans ta pratique puisque ta pratique c'est toi ce que tu aimes faire mais c'est pas forcément ce que l'entrepreneur veut faire. Donc à toi, pose-toi la question maintenant si tu as envie d'aller chercher des sponsors, bah, propose des trucs qui sont hyper innovants en échange de la finance, bah, peut-être que tu peux faire une heure d'intervention chez eux, une heure de conférence, peut-être que tu peux créer un séminaire, peut-être que tu peux les inviter à un stage, mais intéresse-toi, quel est le besoin de l'autre? La vie fonctionne avec des vides que certains ont, donc des besoins, et d'autres que toi tu as, d'autres choses qui vont venir combler ces besoins. Et on est tous complémentaires, chaque être humain est complémentaire, un système de valeurs complémentaire à l'autre, et certains systèmes de valeurs vont matcher parce qu'il va y avoir du besoin qui est là, et comment je peux le combler? Et si tu arrives à avoir ce mécanisme, et en allant vers les gens, vers les entreprises en disant quelle valeur je peux apporter, quelle valeur je peux apporter, quelle valeur je peux apporter et d'être et qu'est-ce que j'estime avoir en retour de manière juste, c'est-à-dire que tu ne vas pas pour prendre, parce que si tu vas pour prendre, tu vas avoir peur d'être déçu, mais pour donner et prendre au même degré, alors tu vas voir que les portes vont s'ouvrir plus en plus facilement. C'est-à-dire en disant, voilà, moi avec mon image de sportif, je peux apporter ça dans l'entreprise, avec mon vecteur de performance, je peux apporter ça dans l'entreprise et voilà tel résultat vous allez avoir et telle valeur je peux apporter. Alors tu verras que finalement l'argent que l'autre va te donner va être juste un échange de valeur et bah, ça va être top parce que vous êtes tous les deux gagnants. Et donc vraiment
Si tu as vraiment envie de trouver des sponsors, fais-le et tu verras que des portes vont s'ouvrir qui étaient fermées jusqu'ici. Et voici pour cette vidéo. Alors, pense à commenter et me dire ce que tu penses de cette vidéo. Pense aussi à la partager autour de toi si ça peut aider d'autres performeurs. Et également, si tu as envie d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, tu peux réserver un rendez-vous offert avec un coach de mon équipe où ce rendez-vous, on verra le point A où tu en es aujourd'hui, le point B où tu as envie d'aller, qu'est-ce qui t'empêche d'y aller et comment y aller le plus rapidement possible en explosant les blocages. Et enfin, rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao !